Après au fin arrêté dans le pays Panama, lundi passé, Mario Antonio Palacios, ancien militaire colombien, ça, qui suspecte l'assassinat ancien président Jovenel Moïse, trouvé pourquoi il est là, dans la prison, dans Miami. Selon le journal Miami Herald, Palacios doit paraître pour première fois devant le tribunal fédéral, c'est à supposer hier soir, d'après sa média Floride rapportée. Autorité américaine, yo, pral mette intéressé en accusation pendant la comparution, ça. Et selon information que nous avons, depuis qu'il a arrêté Palacios là, il y a qui a choukungunya dans le pays d'Haïti. Connais moi-même quand pile servante me connecté avec yo, dit que c'est sous vase là, yo dormi. Même si yo pas ka joindre rien, y a forcé, y a transpiré. Ou pas connait qui maladie yo souffri parce que Palacios commençait parler tant cou li ka pété dans chaudière. Et selon ça d'apprendre gagné qui t'a préparé pour venir rentrer dans le pays d'Haïti et qui était dans pays blanc, tonton samedi yo, calmate, rete là parce que pas besoin faire grand voyage venir prendre nous. Nous tout là. Et gagné qui a vinn prend dans la coupe d'Haïti. Mon qui t'a pris le candidat à la présidence qui t'a préparé yo. Palacios gâté jouet la cal Palacios gaé on nan. Il semblait tout bon vrai. Les gens jeté dit ils sont zo poisson cap quoi que nan gorgette yo. Bagay la red. Selon Sam apprend gagné qui dans traka. Machin cap vendre papier yo. Rete tant des journal la matin pour me canaliser nous côté pour n'aller pas de trois graines pas balle papier dans la haie non. Dégagez une prête comme suivez mon regard. On a le vendre papier, papier et pas ma conne, parce que une équipe en vase depuis hier soir dans la Coupe d'Haïti, depuis après Palacios, comment c'est fait, on s'est eu des révélations. Tête chargée, sous l'homme, ancien président Jovenel Moïse, pèlerin 5, dans la nuit 6 pour l'ouvrir 7 juillet. L'année 2021. Oui, Palacios, un juge dans l'État Floride. Attendez, ailleurs, Jean Saté a annoncé Mario Antonio Palacios, un suspect d'assassinat et président Jovenel Moïse, yo présenté. Ailleurs, m'a dit après-midi, devant un tribunal fédéral dans Miami, juge Jobay Lord pour Kembe, ancien soldat colombien en prison, jusqu'à ce que lui paraît encore devant tribunal la 31 janvier Capavinila. Mario Antonio Palacios trouvé en prison Miami après il était fin arrêté en Panama lundi passé à Palacios accusé comme quoi l'État a bail état élément matériel l'État bail matériel pour te kidnapper ou bien ça c'est l'ancien président Jovenel Moïse. Plus détails dans le journal la matin à Luxon Saint-Ville correspondant permanent nous aux États-Unis d'Amérique. Nouvelle yo rapporté au monde c'était 12 gouttes bonbons avec un petit cabrit ou t'es acheté dans l'argent assassinat président Jovenel Moïse là ou pral la raconte qui arrêté et que il a dossier a fait chemin sérieusement devant la justice dans le pays les États-Unis. Et ben ça nous capable dit en plus pour vous dans petit résumé ça sous chef d'accusation qui permet la justice dans le pays les États-Unis et ben chargé officiellement Palacios comme moun qui participé dans l'an mort président Jovenel Moïse. Et donc jeudi hier mardi 4 janvier 2022 dans rapport que FBI a dressé à partir des déclarations Palacios était fait pendant l'été dans prison dans le pays Jamaïque, il révélait que bonnet en mois juin 2021, environ une vingtaine citoyens haïtiens militaires colombiens étaient débarqués dans le pays d'Haïti avec objectif pour exécuter un mandat d'arrêt contre président Jovenel Moïse. Palacios arrivé en Haïti dans la date 7 juin l'année 2021. Pendant l'été Haïti, il rencontré avec corps comploteur numéro 1 qui pour bail équipement et entraînement d'après documents que investigateurs eux-mêmes ont saisi. D'après texte message, je joins dans téléphone moun qui t'a comploté en bachal. Plan ça, c'était pour arrêter président Jovenel Moïse dans date 18 juin 2021 et puis mettre le dans un avion, faire quitter pays a. Plan ça, t'après tomber lorsque comploté yo pas de joindre un avion privé qui pouté parti à président Jovenel Moïse. Qui côté t'a pris avec lui point d'interrogation. Dans date 28 juin corps comploteur numéro 1 entré dans pays États-Unis dans sud de la Floride pour avancer à projet a qui s'est arrêté président et puis bail garantie immunité pour monde qui a participé dans complot. À partir des moments ça selon rapport FBI lan, d'après interview plusieurs comploteurs qui dans prison jodia gen monde qui t'a participé dans coup qui ont même été déjà connaît ou bien qui te croit que plan Kounia c'est assassiner
président Jovenel Moïse. 7 juillet 2021, Palacios ensemble avec un groupe comploté entré kay président avec intention pour assassiner. Ça que yo t'est arrivé fait effectivement. Tout de suite après, Colombien pral sauver pour aller dans pays Jamaïque et plus tard, li pral mandé pour li parler avec autorité américaine yo. Côté li pral dit que dans date 6 juillet 2021, li était au courant que plan ça c'est pas pour arrêter président encore, mais c'était pour assassiner. Donc, on toujours dit ici, il n'a pas dit là comme matin. Le crime parfait n'existait pas. Tôt ou tard, la vérité sortira du puits et les vrais coupables seront identifiés et punis. Et c'est dans phase ça, amis auditeurs, nous y est, journée jodia. Phase ça, nous capables de faire ça, phase opération tremble jambes. Opération tremble jambes, parce que il y a un pile d'assassins criminels malveillants qui t'ont fait crime. Nan. Jean-Yves Baye, la table déroulée à la, vient joindre juge Gary Aurélien. Bon, au diable, juge Gary Aurélien, pas gain, j'ai vrai nassé pour t'amener. Bon. Enquête comme ça, bon, bien que le tag est volonté, mais nous connaissons, il y a un pays d'Haïti, guerrier, et nous connaissons tout en travail, nous connaissons tout pique en coin, et puis il faut un monde qui gagne, mais au trempé, dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, là, c'est mon qui gagne contrôle appareil judiciaire, non? Et c'est mon qui contrôle le pays, et c'est mon qui est censé toujours autorité dans le pays, et qui prend l'autorité dans le pays, qui contrôle presque tout ministère. En de pays, 13 ans pays, il y a un pays. Donc, en plus, le monde te dit, est-ce que le juge est capable de résister? Et bien qu'il y ait des attaques, bien que chaque monde interprète attaque de façon pareille, il y a des monde qui dit c'est des attaques et provoquées, des attaques qui ne pas comprendre, attaques sur machine juge là, Delma 33, devant l'hôpital de la paix, attaques dans Delma 95, et attaques suivi. Donc, chaque monde a bien fait pareil. Il y a une autre histoire, il y a un juge, là, dévalisé, tête en bas. Il y a un monde qui dit que il y a un pile de documents calés. Donc, tout ça, c'est des palabres, des histoires. Mais je dis à nous, nous sommes fous. C'est l'on sac à parler, c'est l'on sac à dire. Et je vais être là, commencer pour l'autre phase. Il y a un pile nègre qui a commencé à boire gourg, à boire du vin, bon, j'ai champagne. Il était pensé que crime, ça, son crime parfait. Mais qui pas penser si tu as mis tes mains en bas, pas de cassave, Palacios. Et Palacios lui-même, dans le crime, ils sont actes clés, ici en fonction des révélations et témoignages Palacios, que nous prenons. Est-ce que, et ça, Asalos te dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Haïti, qui lui-même, c'est arrière-cour ou bien d'Edokai, les États-Unis, est-ce qu'un gros crime comme ça, tu as planifié? Sans les États-Unis pas au courant. Si les États-Unis au courant, qui degré implication dans le crime, nan, s'il pas au courant, et c'est jeudi à pour le montrer ça, dans l'arrestation Palacios là. Donc, comment faire que on compagne aux États-Unis, prend tout le temps ça, à financer un crime comme ça, là, dans le voisinage des États-Unis, et pas jamais des révélations faites. Est-ce que tu as des révélations faites, États-Unis, tu as caché, caché, mais c'est là, nous qu'on est vérité sous temps. Mais, information que nous avons. Après Palacios là, il y a des gens qui ont fini dans des dossiers Palacios là, le déconstambré. Le déconstambré sérieusement, ce qu'on est moi-même, comme papa peuple là. Par contre, servant qui a eu un contact avec eux. Les servants, c'est moi qui porte Paul. Et les servants, c'est moi qui parle avec eux. Nous toujours comme ça qui a passé, quand une bonne série de nègres, nous ne pouvons pas penser ici. Comme ça qui a passé. Et il y a des gens qui ont dit, ils ont tout quitté pour toilette, tout l'ouvrir, et ils ont fermé pour gagne tout fermé porte là où madame n'a pas au courant mais dans ma chouette n'a pas baillé de temps coupé petite pipirit pas gain poussé n'a pas sur toilette là yo pas ca poussant hein de temps en temps gaspiller papier pour grand ici si yo pas venir c'est l'information que me gagne oui baï sousou l'aime joigne yo faut me baï yo information que me pas citer non mon yo information que me gagne yo fait me connaître tout que
comment c'est gain caille qui gain comment c'est gain panne papier gain qui t'appelle candidat là t'appelle Guy Bosco là depuis au fin temps de bail là commencer bail vente modé il dit me gain qui t'a préparé ma lettre là qui t'est couru pour mauvais vent aux États-Unis il était calmaté quoi bon bonne malveillant en Canada tout et Canada écoutez même qui gain bastion malveillant même et malveillant l'argent ça l'église c'est non bonne bail. Gemiko, gen journaliste qui n'a malveillant tout des pseudo journalistes bien entendu. Il pas mon grand parent qui l'école journaliste qu'on est. Donc c'est des journalistes quoi même toujours entre guillemets. Des journalistes plastiques, des journalistes qui jouent dans un studio puis dans une chambre et puis autant dire les têtes journalistes. Bon, journalistes quand même. Donc qui te financer tout par une série de malveillants, une série de criminels. Alors en vérité pour aller au grand jour, n'a joue pas venir pas qui est-ce qui est-ce dans le pays. Et pendant que je dis que c'est dans l'information que je gagne là, pendant la journée, il y a commencé un petit papier qui a venu pour dire que ne quittez pas les États-Unis. Parce que Blanc n'a pas pris l'emploi, il a fait gaspillage. Parce que si vous quittez la ville pour la payer gaz, hélicoptère, avion, etc., il a tout fait nexa. Comme le coup, tu as caché tout là. Parce que vous prenez. Pas la sauce! Dis-moi, pas la sauce, dis-la. Si je dis là, je vais parler de la paix écrasée. Mais journaliste pas de accès à audition, Bob. C'est... Ah, bon, ça c'est où même. Koto, jeune. Ça c'est où même. Ça c'est où. Parce que pour antenne, nous, dans le même hôtel avec antenne, pas. Bah, connais, ça dépend. C'est presque 27 ans, là. Ça dépend. So, ah, ou, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, audition, en fait, oui. Ou bien antenne aux États-Unis. C'est premier États-Unis, par là, ça se parle. Ok. C'est pas dans le rive États-Unis, elle parle. Non, mais on va parler à partir de première audition que fait hier, là. Ah, ok. Mon cher, Guénègue, là. Il a vu une prendre là rapide vite. C'est cool, ouais. Il y a eu ta beauté nègre dans le droit. Pour aller venir prendre là, dans le jour où il vient là. Et que nègre a dit, il va maintenant déplacer. Parce que la situation est compliquée et difficile. Et c'est ça qui fait que je viens comprendre Jovenel non sens. Jovenel te dit, son zo poisson qui croquait dans le cut-off de l'estomac, dans le gargan de nègre. Et, je me conseille d'abord, on est. Il mettait 12 gouttes de bonbons. Il mettait un petit cabrit. Ou t'as acheté. Dans l'amour, l'argent, l'amour. Je venais là. Ou bien raconte. Ou bien baille pour le raconter. Baille ou pas de son bon nègre. Avec femme. Dans le pays d'Haïti. Dans le jour qu'après elle venait là. Mais quelques mois après, nègre, il a commencé à crier victoire. Il a pensé toute bagaille était bagaille. Mais, arrestation par la science là. Il a retourné dossier. Et dossier. Bien causé. Il reste causé avant que je n'ai fini. Et Maguette a fait un partage avec nous. Peut-être que nous avons une antenne moins dans le monde. Donc, États-Unis qui doit faire plus encore, puisque nous connaissons FBI a été souterrain. Et jusqu'à présent, toute étape qui a franchi là, il a fait à partir de enquête qui était faite sous place par autorité haïtienne. Yo. Ancien président des affaires étrangères. Nous sommes calmés. Calme difficile, bah, il était chargé. L'aime dit, nous acheter papier toilette. Moi, il y a monde qui prend une douzaine de papier toilette maintenant là, il passe dans une zone que je vois. C'est pour nous acheter le prêté cob. Acheter bonne quantité. Prends taxi, mettez des machines. Il y a une zone. Avant que je n'aille finir, je dis nous, pour nous passer, pour nous acheter pas fond là, vendre papier toilette. Moi, je dis nous ça. Et puis, il y a un petit grain vert qui est bon pour diarrhée. Comment tu gagnes ça, il encore? Et comment? Bin Paille, où qu'on gagne non après chico. Avant c'est plus tebi quoi. Comment gagne non les professeurs? L'opéra. L'opéra. Eh bien, ok. Pendant nous à acheter papier, passer dans la pharmacie, acheter les trois flacons, l'opéra n'a pas pile quoi. Parce que année à pause pour nous, on cap vend papier toilette avec on cap vend graine l'opéra bon pour diarrhée et puis tant de journal là pour nous donner qui zone pour nous passer. On dit papier et puis n'a pas. Ma voix nous dans quatre zones matin là. Si nous pas faire la vente, pas jamais parler dans micro encore dans pays. Et en attendant nous recevoir professeur et ancien président des affaires étrangères, commission des affaires étrangères, chambre députée Alfredo Antoine, il dit six pays, États-Unis, t'as fait un bagage pour aider président Jovenel Moïse, joindre justice entreprise qui l'a caillé, quitter bail colombien au contrat, t'as fermé déjà, propriétaire t'as pas en bancarrote déjà, palacio c'est en vacances. Il était allé aux États-Unis. Donc, c'est une autre réaction. Nous enregistrée après arrestation et puis première audition. Antonio Palacios, hier, devant un tribunal de Miami. Oui, donc c'est ça, dossier. Donc, un dossier, Luxon Saint-Ville, a suivi pour nous et probablement, dans le jour qui a venu, il y a l'autre révélation qui a fait après arrestation. Ça.
Oui, avant nous arriver avec oui, avant nous n'a pas tourné avec Pozlan Mac Joël. Assassinat Jovenel Moïse l'a présenté hier après-midi devant un tribunal fédéral dans Miami. Journaliste qui était sous place et pas autorisé rentrer à caméra dans salle là, mais il était capable de suivre comment ça t'a passé. C'est en audition ça, li a été déroulé bozon 2 heures après-midi au consa dans 11e étage tribunal fédéral ça agence dia qui trouvait dans Miami sud Floride aux États-Unis. Mario Antonio Palacios te gagné un maillot gris sous lit, il te gagné un pantalon qui semblait à qui un jeans et il te gagné menotte dans pied ak nan bral pendant le tapé paraît devant juge. La FN dit c'est juge Alicia Otazo Reyes qui lui-même te recevoir Palacios hier après-midi pour comparution ça. D'après agence américaine Associated Press, Palacios deux bras devant et avec minute li, li pas plaidé rien face à chef accusation et qui a pesé sous dol et li était automatiquement mandé juge là pour yo bali un avocat. Juge là t'est accordé le demande ça et à cause juge l'a estimé que l'agent Mario Antonio Palacios limité. Ça veut dire et Palacios dit que li gen yon kay nan ville Cali dans pays Colombie et que pension li comme ancien soldat dans l'armée c'est environ $370. Donc juge l'a estimé li pa gen cob, c'est peut-être ça yo désigné yon avocat pour lui. Donc Palacios te répond plusieurs questions qui gen rapport avec salaire li propriété le gagnent dans pays. Faut que nous préciser deux principales chefs d'accusation qui gagnent contre Palacios. Première c'est parce qu'il participait dans complot qui aboutit à kidnapping ou bien assassinat au monde en dehors États-Unis et puis deuxième chef d'accusation c'est parce que li t'es bail support matériel pour s'arriver fait. N'a précisé que avocat tribunal là et désigné pour Palacios dans moment monsieur Relé Alfredo Izaguirre qui lui-même dit juge là que lui recommandé pour Palacios rester fermé en prison parce que il pas gain aucun statut immigration et lui pas gain aucun parent ni l'autre connexion avec mon États-Unis. Gain des autres médias qui parlait de question coronavirus qui fait yo t'a envoyé audience sous accusation mais en attendant Palacios l'a prêté en isolement dans le centre de détention fédéral Miami pendant au moins 2 semaines comme ça. Et juge Alicia passé l'ordre pour Kimbe, ancien soldat colombien, élicité comme raison que Palacios a essayé d'échapper pour lui. C'est peut-être ça. Yo. Et prend décision pour lui reparaître devant le tribunal 31 janvier qui a venu là. Et Izaguirre, qui est avocat désigné, a déjà dit que lui a probablement plaidé non coupable dans l'audience si là. Il faut que nous disions que si yo vinn trouvé que Palacios coupable de l'accusation que yo porté contre lui dans en plainte que un tribunal dans sud Floride te porté contre lui, Palacios risquait passer toute ville en prison aux États-Unis puisque ça a reproché lio c'est en Haïti. Est-ce que il y a une possibilité pour t'avoir Palacios venir en Haïti vinn puger peine pour ça reproché lio si yo joint ni coupable? Alors, jusqu'à présent, pas gagné des détails clairs sur procédure judiciaire, ça, comment l'Ibral déroulé. Même gagné un journal Miami Herald qui a posé les questions sur façon que transfert Palacios lui-même l'y fait pour sortir dans Panama pour arriver aux États-Unis. Pas gagné trop de détails qui baillent sur ça. Est-ce que, après, la justice américaine fin tendil, pays d'Haïti a bien chance pour joindre Palacios pour poser la question sur ça qui passe là. Ça, lit toujours gagne un point d'interrogation devant. Faut que nous dit que, Pierre Onel, processus judiciaire ça lancé là, faut que nous rappeler pour tout le monde captain de là, c'est après une plainte qui t'est potée 24 novembre passé là, côté grand tribunal district sud Floride, t'es accusé Palacios. C'est plainte officielle ça, la justice dévoilée à Yemadia, il fait qu'on est Palacios te parlé volontairement avec autorité américaine, yo, par exemple FBI, dans le mois octobre qui s'est passé. Côté le te fait connaître, c'est yon compagnie qui te employé le boulevin Haïti comme yon agent sécurité et puis participer dans yon soi-disant opération pour
arrêté président. Donc Palacios dit après ça, il gagne l'autre monde qui était dans complot qui dit que c'est zone 6 juillet que plan après changer parce que au début c'était prend président, mettez l'en avion privé pour le quitter pays a, ça c'était premier plan selon sa Palacios dévoilé par FBI, mais 6 juillet soyons jour avant assassinat, plan après changer, lui tape sorti de prend président, kidnapper, mettez l'en avion privé à Lavelle pour le passer avec stade assassinat. Donc déclaration ça tout yon dans plainte qui déposé par autorité judiciaire américaine yo contre présumé assassin. Ça il faut que nous dit accusation ça selon journal Miami Herald, c'est Homeland Security Investigation sac agence FBI qui t'a écrit yo et tout ça yo yon dans accusation yo. Ça tout permet aux Américains yo et aller plus près yo en état Floride là côté gagner un service qui spécialisé dans question ça yo recruter de monde de mercenaires pour aller faire genre de action ça yo puisque première formation était parlé de service ça qui aux États-Unis oui qui travaille dans domaine ça. Alors jusqu'à présent pas gagné. C'est comme si ou senti que City ou qui se compagnie ça qui te recruté monsieur yo pas vraiment gen un focus qui mettait sous lui actuellement. Maintenant nous pas connait après arrestation Mario Antonio Palacios la pral gen de l'autre suivi qui pral fait nous pas gen détail sauf que City ou sécurité qui trouvait dans Florida dans zone qui pas trop loin Miami li jusqu'à présent pas gagné détail est-ce que compagnie ça il continue à fonctionner s'il est pas fonctionné qui ça qui fait est-ce que vous posez c'est le souli est-ce que gagné des actions qui posent contre compagnie ça pas gagné et trop détail qui bail sous ça donc pour l'instant c'est pas la chose qui nomme autorité américaine yo ensemble d'accusation que vous portez contre lui il y a bien pour y attendre ou bien là bien pour le reparaître encore 31 janvier cap vini là. Tout journaliste serait mobilisé pour connaître qui ça qui pral décider, mais ça qui est sûr, c'est que autorité américaine yo vle rassurer yo que Palacios dit ça pour le dire et pour enquête là lui-même li capable d'avancer selon ça qui dit dans plusieurs médias ici aux États-Unis. Saint-Ville, correspondant permanent nous aux États-Unis concernant et arrestation et présentation devant tribunal Palacios. Saint-Ville, parlez-nous de une compagnie et que Palacios dit qu'il était engagé lui pour venir en mission dans la Coupe d'Haïti. Non compagnie pas révélé. Exxon CTU. Alors oui, c'est CTU, okay. Qui c'est une compagnie qui est spécialisée dans la question sécurité. Notre compagnie ça a déjà dévoilé pendant l'enquête là. Donc, il était pour nous connaître est-ce que compagnie ça a fermé, est-ce qu'elle toujours continue à fonctionner. Okay. Et rapport qui était gain entre Palacios et compagnie, comment elle était, qui monde qui était engagé compagnie ça et mission en li passé de kidnapper quand président mettait l'avion privé et faire quitter pays à pour le passer avec stade assassinat pour qui ça nous sorti dans plan ça pour nous tomber dans l'autre là qui ça qui motivation qui monde qui derrière c'est ensemble de questions qui a posé n'a rappelé que Palacios même il était arrêté dans Jamaïque il était arrêté dans Panama mais c'est Jamaïque qui sorti nous a précisé pour tout le monde qui attendait autorité en Jamaïque t'est décidé déporté par la chose d'ailleurs par la chose c'est comme déporté c'est ça il était voyage pays Colombie la Caraïbe pour aller Colombie la Caraïbe donc il était fait escale Panama et c'est Panama qui a arrêté donc autorité en Jamaïque yo dit que par la chose violer loi sur immigration pays yo et gouvernement dans pays Jamaïque te prend décision pour déporter parce que yo dit pas y a aucun traité extradition officiel avec Haïti tout à fait non en déclaration le fait dans Reuters il y a un porte-parole police locale qui dit que information yo joine yo pas montré par la chose gen rien pour louer à assassinat yo juste prouvé essentiellement que il était suspect dans tentative vol exam sans ba aucun détail et responsable police a dit toute tentative yo te fait pour yo joine l'autre détail l'autre précision bon côté gouvernement et haïtien yo pas arrivé joine rien donc ça veut dire autorité jamaïcaine yo dit yo pas joine rien yo déporté par la chose par la chose même prend route pour pays li passer par Panama. Et puis autorité panaméenne yo même arrêté et faut nous préciser que c'est
Mario Antonio Palacios Palacios qui volontairement demandé pour voyer les États-Unis. Mm-hmm. Donc, les fin arrêté le Panama. Pour voyer, mm-hmm. Justement, les fin arrêté le Panama, il volontairement demandé pour mettre le long vol pour aller aux États-Unis. Ça qui est arrivé fait. Et pour qu'on y a la Palacios, l'idée est 4 Mirai dans Miami, la bien pour le reparaître encore devant le tribunal le 31 janvier. Et si ça ne peut pas augmenter, monsieur qui vient votre mener, et automatiquement, première mission, c'était prendre président. C'est donc première révélation. Et puis, mission a vu changer dans mi-temps opération. C'est l'ordre pour exécuter. L'ordre, ça. Et il parlait de un ancien chef ou bien un ancien chef qui est toujours chef. Pas de trop de détails sur le dernier grand l'ordre, ça. Pas gagné de détails. Accusation, yo. Alors, il y a un dans plainte là. Toute accusation, il y a un dans plainte là. Et soit garder plainte là ou senti que Palacios gagne petit bagarre li dit oui ben, donc gagne petit bagarre Palacios dit mm-hmm. puis devant peut-être n'a capable connait information mm-hmm. yo de temps en temps gagne petit bagarre qui a filé bon Palacios pas jamais dit que et c'est le 6 juillet que bagarre la vienne virer en assassinat okay. bagarre yo commence à sortir c'est au fur et à mesure donc on est question la justice ici très sensible mm-hmm. c'est bureau affaires publiques département justice aux États-Unis qui publiait information ça yo mettait en attachement okay. accusation ça plainte ça a été portée contre Palacios donc on aurait été peu à peu étape par étape Palacios ça bien pour le dire des bagarres automatiquement yo dit depuis yo parler dans la presse américaine n'a toujours metté auditeur à auditrice Caraïbio au courant de tout ça qui a passé. Luxon Seville, merci mon cher. Bonne journée, continuez à suivre dossier pour nous, pas à pas. Bonne journée tout le monde. D'accord. Essayons pas dans bonne direction, Bob C. Pour une citer réaction, Claude Joseph, ancien ministre des Affaires étrangères, président Jovenel Moïse, en signe de réaction après nouvelle arrestation Mario Palacios, un suspect clé dans la mort. Ancien chef l'État, sous page Twitter, Claude Joseph écrit à Yemadian, Lipran Hack, concernant arrestation ça, côté suspect l'a trouvé en prison actuellement aux États-Unis. Moi, exhorté autorité haïtienne pour collaborer avec autorité américaine pour que dans le cadre de traité extradition 9 d'août 1904 l'an, suspect principal l'assassinat et président Jovenel Moïse extradé en Haïti pour venir répondre question la justice. Claude Joseph qui était montré très critique dans un premier temps contre pouvoir en place à l'estimé qui pas de fournir assez preuves pour autorité jamaïcaine ont été extradé suspect là. En Haïti, Mario Antonio Palacios, qui doit retourner devant le tribunal le 31 janvier, et cap vini là, passer une première audition à hier, Jean-Luxon de Saint-Ville, sous le fait nous part de Lila, n'a pas rappelé Palacios accusé comme monde qui impliqué dans sa.